Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Martin Lafitte et je suis le nouveau chargé de projet IFProf ici à l'Institut français de Paris. C'est donc moi qui ai le grand plaisir tous les jours de vous accompagner sur le réseau social IFProf en tant qu'animateur monde. Donc voilà, je vous invite à devenir collègue avec moi au plus vite sur IFProf pour qu'on puisse commencer à échanger. Voilà, donc aujourd'hui pour ce 9e webinaire IFProf, nous allons donc aborder des questions relatives à l'éducation aux médias et à l'information et essayer de répondre à cette question assez délicate, n'est-ce pas, qui est celle d'essayer d'intéresser nos publics adolescents de 10 à 15 ans. Voilà, donc pour ce webinaire, je serai évidemment pas tout seul à vous accompagner parce que nous allons accueillir dans quelques instants nos partenaires sur IFProf, vous les voilà, de chez Milan Presse, Jean-Luc Monchy et Frédéric Fontaine, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants pour leur présentation. Mais juste avant de commencer, je voulais juste faire quelques petits rappels techniques par rapport au webinaire. Donc tout d'abord, vous voyez en haut à droite de votre fenêtre, il y a plusieurs onglets. Donc il y a bien sûr l'onglet chat. Je vois qu'il y a déjà quelques participants qui commencent à échanger. Donc bonjour à tous. Dans cet onglet chat, en fait, ce serait surtout voilà pour y consigner vos questions techniques. Si vous avez des difficultés au niveau de la vidéo, de l'audio, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et puis on essaiera de vous aider en direct. Ensuite, vous avez dans l'onglet questions. Donc là, je vous invite aussi pendant la durée de la présentation de nos intervenants à écrire toutes vos questions qui vous passent par la tête par rapport au sujet du jour. Donc on en sélectionnera quelques-unes et on essaiera d'y répondre à la fin. Enfin, en tout cas, voilà, le moment de vos questions sera très important parce qu'on sait que voilà, vous avez envie d'interagir avec nos intervenants. Et puis, vous voyez aussi donc le petit onglet sondage. On vous a déjà posé 3 questions dans ce petit onglet. Donc, je vous invite à y répondre tout de suite ou sinon à la fin de ce webinaire. Voilà, parce que ça nous permet de recueillir des données intéressantes, importantes pour nous, pour ensuite pouvoir vous proposer des webinaires de qualité et qui répondent à des thématiques proches de vous. Voilà, donc c'est tout pour moi pour le moment. Je vais vous retrouver à la fin de cette présentation pour partager vos questions avec nos intervenants. Et donc, je laisse maintenant la parole à Jean-Luc et Frédéric. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Tout d'abord, un grand merci d'être venu assister à ce webinaire. Merci à IFProf de nous offrir cette fenêtre virtuel pour partager avec vous. Donc, comme vous l'a dit Martin, ce webinaire, il va se dérouler en 4 temps. D'abord, une rapide présentation de nous-mêmes et de l'entreprise Milan. Ensuite, Frédéric vous présentera en détail l'éducation aux médias pour les 10-15 ans et comment elle est traitée dans le magazine Géoado, dont il est rédacteur en chef. Et puis, on répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous en poser. Donc moi je m'appelle Jean-Luc Monchy, je suis responsable marketing éditeur du pôle Planète chez Milan et je suis accompagné de Frédéric Fontaine qui est rédacteur en chef du magazine Géoado. Un petit mot sur Milan. Milan est une entreprise qui fête cette année ses 40 ans, qui appartient au groupe Bayard depuis une quinzaine d'années. On est basé dans le sud-ouest de la France, on vous parle depuis Toulouse. On est environ 250 dans les locaux dont on vous parle. Le groupe Bayard, c'est environ, c'est je crois le 10e groupe, le 10e éditeur français et le premier éditeur jeunesse d'Europe. Milan aujourd'hui, c'est 3 métiers, donc le livre, Milan Édition, le numérique avec l'audiovisuel et puis la presse qui est la partie importante de Milan. Au niveau de la presse, il faut savoir qu'on édite 25 magazines,
Il y a une quinzaine de magazines qui sont des magazines patrimoniaux, des magazines Milan, et 10 magazines qui sont des magazines sous licence qu'on fait en coédition avec des partenaires, notamment France Télévisions. On travaille pour deux publics, un public adulte, notamment avec des titres du pôle nature et territoire, comme Terre Sauvage, Pyrénées Magazine, Alpes Magazine, Bretagne Magazine, et puis un public enfant. Vous connaissez peut-être les magazines Stoupi, par exemple, Toboggan, Waku, J'apprends à lire, Wapiti, Julie. Le dernier né, c'est Curieux Note des Sciences, un magazine qui vulgarise l'apprentissage de la démarche scientifique. Et puis, bien sûr, le magazine qui nous rassemble aujourd'hui, le magazine GéoAdo, dont va vous parler Frédéric. Chez Milan, on édite aussi un hebdomadaire d'actualité qui met l'actualité à hauteur d'enfant pour les 8-12 ans, qui est accompagné d'un site internet qui s'appelle unjouenactu.com, de vidéos qui sont diffusées tous les jours sur France 4 et aussi sur TV5 Monde. Donc, vous pouvez voir, je pense, dans vos pays respectifs. Le programme s'appelle « Un jour, une question » qui décrypte en 1 minute 30 un mot ou un fait d'actualité avec, avec humour. Et puis, on édite aussi une plateforme d'éducation aux médias et à l'information qui s'appelle « Un jour, une actu, les reporters du monde », qui est une plateforme entièrement en accès libre pour les écoles et les collèges et qui permet à la fois de créer des articles en ligne, d'apprendre à créer des articles, d'apprendre à créer des webinaires, des webjournaux pardon, en ligne et puis de les partager avec des classes à travers le monde. On a aujourd'hui une soixantaine de pays qui sont présents sur cette plateforme que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas. Voilà globalement pour Milan. Je ne vais pas vous abreuver, mais je vais finir par quelques chiffres. Aujourd'hui, Milan, c'est environ 6 millions de lecteurs par mois, 350 000 abonnés, dont 30 000 au magazine GéoAdo. Et Milan est fier de ses productions et aussi engagé, très engagé sur trois combats qui sont essentiels pour l'entreprise. Le premier, c'est l'accès au langage et à la culture. Le deuxième, c'est l'égalité filles-garçons. Et le troisième, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est celui-ci qui nous réunit aujourd'hui et dont on va vous parler, notamment sur le public ado. Voilà, donc je vais laisser la parole à Frédéric. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions et on y répondra en fin de webinaire. Merci à tous. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Fontaine, rédacteur en chef de GéoAdo. Ce magazine s'adresse à des collégiens, il existe depuis environ une quinzaine d'années. Et pour le définir rapidement, je dirais qu'il s'inscrit un petit peu dans la filiation du magazine Géo pour adultes, que peut-être vous connaissez, et qui consiste à faire découvrir le monde, notamment à travers la notion de reportage. Donc, comme pour son aîné, je dirais que GéoAdo essaye de faire d'abord découvrir des peuples et des cultures du monde entier, notamment au travers de portraits d'ados, parce qu'on est convaincu ce qu'on appelle l'effet miroir, hein, la projection de l'ado français ou francophone dans l'ado péruvien, chinois ou sud-africain est vraiment très efficace. Donc on cherche vraiment à travers ces portraits d'enfants étrangers, on ne cherche pas du tout à exotiser, je dirais, l'enfant. On essaye de trouver ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent entre un lecteur d'ici et un enfant de là-bas. Autre point très important, c'est le souci accordé à la photo. C'est un magazine de photos. On essaye de montrer aussi les beautés du monde. On tient un discours assez positif où, loin des discours apocalyptiques, on essaye de montrer à cet enfant de 10-15 ans qu'il y a d'abord un futur et que deux, il peut y participer. Donc, motiver l'enfant, motiver le lecteur, c'est aussi lui montrer la beauté du monde à travers un certain nombre de photos, mais aussi de reportages photos qui vont mettre en scène des problématiques très différentes qui sont liées à des enjeux importants qu'on connaît tous, le réchauffement climatique, les migrations, les énergies, l'essor de la Chine. Voilà, c'est pour vraiment essayer de faire sortir l'enfant de sa bulle, on va dire peut-être ici franco-française, et de l'intéresser
aux grands bourreaux mondiaux, gros enjeux à travers, encore une fois, beaucoup d'humains, du témoignage, de la culture, mais aussi beaucoup de passion et d'élan. Alors, à l'intérieur de cette thématique générale que je viens de vous évoquer, il y a la question de l'éducation aux médias et à l'information. Ce n'était pas, a priori, un axe majeur de Géoado au début, mais quand on a fait, il y a 4 ou 5 ans, un hors-série sur les théories du complot, que vous pouvez peut-être voir derrière moi, peut-être à l'envers ou pas, moi je le vois à l'envers, peut-être que vous le voyez à l'endroit. Voici la couverture, ça on l'a fait il y a 4 ou 5 ans, parce que, un peu comme tout le monde, on s'est rendu compte de l'essor de ces théories du complot, des rumeurs, des fake news, vous connaissez probablement les thématiques aussi bien que moi, mais les ados, les adultes aussi, hein, soyons francs, ils sont extrêmement sensibles. Vous savez comme moi que les ados nous s'informent de moins en moins sur les canaux traditionnels et de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux se pose la question que l'on se pose tous, c'est celle des sources. Qu'est-ce qui fait qu'une source est valide ou pas valide? Pourquoi on lui donne un crédit? Quels sont les facteurs qui font qu'on adhère à une idée, à une information et pas une autre? Donc, à partir de ce premier hors-série qu'on a fait il y a environ 4 ou 5 ans, on a développé deux rubriques mensuelles, donc qu'on retrouve systématiquement dans tous les numéros, que Jean-Luc va vous montrer quelques exemples. Ces rubriques, il y en a deux. Il y a celle-ci que Jean-Luc va vous montrer, qui est une rubrique qui s'appelle une rubrique décodage, qui se fait sous forme, vous voyez, d'infographie et de dessin, et qui, elle, a pour principale fonction, comment marchent les médias. Alors, ici, les médias ont vraiment un sens large. Hein. On ne parle pas simplement, évidemment, de télé ou de radio. Et à chaque fois, on essaye d'évoquer des problématiques liées à ces médias. Ici, ce que vous voyez, c'est la décision du réseau social Instagram de mettre moins en avant les likes. Et à partir de cette problématique, nous, on essaye d'expliquer la nature des dépendances, de l'addiction, de l'approbation au like qu'essaye vraiment de développer les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première possibilité. Peut-être, Jean-Luc, peux-tu en montrer une ou deux autres? Voilà, la question des sources, comme je viens de vous le dire, elle est fondamentale. Donc ici, sur cette infographie, on essaye de montrer quatre formes de sources différentes et pourquoi, quels sont les paramètres qui font qu'on peut lui accorder plus ou moins de crédit. Ça, c'est absolument capital, hein, parce que pour, encore une fois, un ado de 10 à 15 ans, lui, il fonctionne souvent par pair, hein, P-A-I-R, c'est comment s'informent ses copains, ce qui s'est dit. Le média, un autre média, c'est la cour de récré, tout simplement. Donc, nous, on essaye de montrer, nous, journalistes, par exemple, comment nous, on cherche nos informations et en fonction de quelle source on va essayer de mettre en avant telle ou telle information, de mettre telle ou telle source en avant en fonction de quels paramètres. Donc, ces paramètres sont expliqués notamment dans cette infographie que vous voyez. Un autre exemple, en dessous de la dernière, là. Voilà. Comprendre les médias, c'est aussi comprendre, évidemment, quels en sont les propriétaires. Comme vous le savez, probablement, en France, la presse est très concentrée. Elle est concentrée entre les mains de gens qui ne sont pas vraiment des philanthropes. Ce sont des gens qui sont essentiellement des chefs d'entreprise qui veulent faire du business, mais qui veulent aussi utiliser la presse comme vecteur d'influence. Donc, expliquer ça au lecteur, un lecteur de 10 ou 15 ans, en des termes simples, comme vous les voyez ici, c'est aussi leur expliquer quels sont les tenants et aboutissants du fonctionnement des médias. Et on termine d'ailleurs cette infographie par Géoado. Et puis, comme on l'explique, appartient donc au groupe Bayard et Milan qui édite d'autres magazines. Donc ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est la rubrique décodage, c'est la première rubrique éducation aux médias de Géoado. On en a une deuxième qui s'appelle la rubrique mystère. Et mystère, là, on est un peu plus dans la filiation de ce premier
hors série qu'on avait fait sur les théories du complot il y a environ 5 ans et qui essaye de décrypter un certain nombre de rumeurs, de théories du complot, de fake news qui sont, croyez-le bien, des sortes de blockbusters sur les réseaux sociaux auxquels accorde crédit une énorme quantité d'ados, mais aussi d'adultes. Donc par exemple ici, on décrypte ce qu'on appelle les crop circles. Vous savez, ce sont ces sortes de figures géométriques qui sont tracées dans les champs de blé ou de maïs et qui donnent lieu à de nombreuses interprétations, dont la première, vous l'imaginez, est plutôt d'origine extraterrestre. Cette énigme des crop circles, elle a moins d'enjeux que d'autres. On va vous en montrer d'autres. Voilà, par exemple, une autre rumeur très ancienne, qui même est en passe un petit peu d'être datée, c'est celle sur l'existence de ce triangle des Bermudes qui, dans l'océan Pacifique, était supposé connaître beaucoup plus d'accidents maritimes que dans les autres zones des océans. Et donc, on les attribuait là aussi à un certain nombre d'explications qui peuvent nous faire sourire, mais qui peuvent être adopté sans vraiment recul par un certain nombre de personnes. Je vous rappelle qu'il y a entre 10 et 20% de personnes en France qui croient que la Terre est plate. Il y a aussi un quart de personnes en France qui estiment que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc, ce ne sont pas des croyances secondaires, ce ne sont pas des croyances dont on peut ricaner. Nous, on essaye de surtout pas avoir un argument d'autorité en tant que journaliste parce que c'est totalement contre-productif. En fait, se moquer de ce type de croyances, c'est davantage encore plus braquer ces gens qui les partagent. Ces croyances, ce sont des croyances qui ne sont pas fondées sur des faits, mais il ne faut pas pour autant disqualifier ces personnes qui les croient, mais qui aussi parfois les diffusent. Donc on essaye vraiment, en des termes très mesurés, très fondés, très argumentés. L'argumentation, c'est très important pour nous. Vous savez aussi, vous, en tant qu'enseignant, au collège, c'est vraiment le moment où l'enfant apprend vraiment à argumenter. Donc on essaye de reprendre vraiment des techniques, je dirais presque de rhétorique, pour vraiment essayer d'avancer peu à peu dans le décryptage de ces croyances qui, pour certaines, le triangle des Bermudes, il n'y a pas vraiment un enjeu grave, je veux dire, mais quand on parle par exemple des Illuminati, c'est un autre mystère entre guillemets qu'on a décrypté. Les Illuminati, c'est un blockbuster aussi sur les réseaux sociaux. Quand on fait des enquêtes auprès des lecteurs, ils connaissent tous les Illuminati. Et les Illuminati qui sont une sorte de métaphore de puissance cachée qui dirigerait le monde. Et vous savez bien qu'entre les Illuminati et d'autres groupes, les passerelles sont rapidement faites par certaines personnes, on va dire certaines personnes de type extrémiste, qui ensuite peuvent très rapidement glisser vers ce qu'on appelle le grand complot judéo-maçonnique. Je ne vous fais pas un dessin. Ce sont encore une fois des formes d'explication extrêmement simplistes du monde, mais qui ont le mérite de nous éviter, à vous et à moi, et surtout à ceux qui croient ça, d'avoir à se plonger dans des matières aussi larges que l'histoire, la géographie, la psychologie, la politique, les rapports de force, etc. etc. Il est bien plus facile d'imaginer que en coulisses se tiennent un certain nombre de personnes qui tirent les ficelles. Et ça, ce type de croyance, il y a des enjeux qui sont derrière, des enjeux citoyens et des enjeux politiques. Donc c'est là que l'éducation aux médias et l'information prend une dimension, ce que un petit peu a évoqué Jean-Luc en intro, une dimension citoyenne, et c'est là que nous, on est dans une démarche d'éducation aux médias, mais aussi à la citoyenneté, en essayant de participer au décryptage de ces grands mystères, entre guillemets, mais aussi du décodage des médias, de façon à ce que cet enfant de 10 à 15 ans exposé
à de nombreuses choses sur Internet. Par ailleurs, on n'essaye vraiment pas du tout de diaboliser Internet et les réseaux sociaux. Ce sont des outils merveilleux et ce serait être, on va dire, un petit peu trivialement, une sorte de vieux réac scrogneux que de casser ces réseaux sociaux que d'ailleurs nous-mêmes adultes nous utilisons tous les jours et qui nous apportent énormément. Donc il faut vraiment essayer de partir d'une posture ouverte, en tout cas c'est ce que nous on essaye, et de pas être nous, si vous voulez, exercer une forme de magistère où on serait sur une estrade et en train de dispenser notre savoir avec derrière une certaine forme de condescendance en faire ses enfants. Donc on essaye vraiment d'être sur un plan, d'une certaine forme de plan d'égalité. D'ailleurs, on les associe assez régulièrement à travers notamment notre site et on leur demande, nous, quels sont par exemple les mystères, les légendes urbaines, les fake news, les complots qui les titillent pour essayer non pas de leur asséner une vérité, mais essayer encore une fois d'argumenter et de montrer les différentes sources, encore une fois, qui peuvent présider à l'avènement de la vérité. On vient de faire par exemple un sujet qui est un petit peu touchy auprès des familles, qui est sur l'homéopathie. L'homéopathie, on n'a pas essayé, si vous voulez, d'imposer nos vues. C'est qu'on constate que, par exemple, cette médecine qu'on pourrait qualifier d'alternative est largement utilisée par les familles. Donc, on n'est pas en train de dire que les familles se trompent. On essaye juste de dire, dans ce cas précis, que un grand nombre d'académies de médecine ont expliqué, preuve à l'appui, que l'homéopathie n'a pas un effet davantage plus opérant qu'un placebo. Et en fait, à travers cette histoire de l'homéopathie, on essaye d'expliquer ce qu'est la notion de placebo, c'est-à-dire d'un produit qui a un effet psychologique, mais qui n'a pas un effet mesurable par la science. Donc on avance peu à peu et pas à pas dans ce genre de démonstration, on n'est pas en train de décréter que ceci est vrai ou faux. Et encore une fois, quand on dit que les académies de médecine disent que l'homéopathie n'a pas un effet thérapeutique plus efficace que celui d'un placebo, on argumente, on sort aussi nos sources. Et nous, on part du principe que sur la science, il y a un consensus général, que la science a fait ses preuves. On n'est pas des scientistes qui sont dans la religion de la science, mais on explique que la science a un immense intérêt, c'est qu'elle est imperméable à l'observateur. Si vous voulez, la science produit des effets qui sont indifférents à nos croyances, à nos religions, à nos nationalités. Quand je lance une pierre et qu'elle retombe par terre, c'est la gravité, c'est pas une perception. Donc on essaye d'une manière générale d'essayer d'objectiver, mais avec du respect. Il faut pas ricaner, il faut pas se moquer. Moi-même, nous tous, on a des préjugés, des goûts et des dégoûts. Je suis par exemple en train de faire, dans cette même rubrique que vous avez à l'écran aujourd'hui, un article sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui sont des petits raccourcis mentaux qu'on a tous et qui nous aident énormément pour évaluer une information dans un temps très rapide, mais qui font pencher la balance en fonction d'un certain nombre de stéréotypes, de croyances et de préjugés. Ces biais cognitifs le plus connu, c'est le biais de confirmation qui fait qu'on a tendance à surestimer les opinions qui confortent nos opinions à nous et on a tendance à sous-estimer évidemment les opinions qui sont contraires. Et à terme, ça a tendance à nous enfermer dans une sorte de bulle, une sorte de petit cocon rassurant où on pense entre nous. Voilà finalement une sorte de démonstration à travers ces rubriques d'éducation aux médias qui, comme vous voyez, sont extrêmement larges, mais qui essayent de montrer à ce jeune lecteur collégien, on va dire, la subtilité, la complexité et la nuance qu'il faut aujourd'hui essayer de comprendre quand on lit un média ou quand on va sur un réseau social. Il faut éviter, c'est facile à dire, on a tous des formes de paresse intellectuelle, mais on essaye de mettre en garde
cet enfant pour éviter qu'il, on va dire, croit systématiquement tout ce qu'il peut voir sur les réseaux sociaux et ensuite le partager. Hein, vous savez aussi que de plus en plus de personnes partagent des informations sans même les lire. Voilà grosso modo un petit peu la philosophie générale de cette éducation aux médias qu'on essaye de développer, notamment dans ces rubriques, mais on essaye aussi de le faire sur le site geoado.com et on songe à faire un nouvel épisode de ce hors-série sur les théories du complot qui ne serait pas là pour le compte uniquement sur les théories du complot, mais qui serait sur le système des fake news, hein, qui prend encore une fois une proportion énorme. Et quand je le relis encore une fois à la notion de citoyenneté, je pense notamment à ces fake news qui opèrent de plus en plus en période électorale. On en a parlé pour l'élection de Donald Trump, on en a parlé pour l'élection d'Emmanuel Macron, on en a parlé pour le Brexit. Voilà, donc il y a des répercussions qui sont vraiment fondamentales et qu'il faut que, à mon avis, on développe tous. Je vous remercie pour cette brève introduction. Je suis disponible, moi et Jean-Luc, pour d'éventuelles questions. Merci. Peut-être juste avant de passer au temps des questions, vous donner deux informations complémentaires. D'abord, effectivement, Frédéric vous a présenté essentiellement ce qu'on trouve dans le mensuel GeoAdo tous les mois, le mensuel évidemment tous les mois. Et aussi, vous pouvez retrouver les bonnes feuilles de ce hors-série sur la plateforme Reporters du Monde. Vous pouvez également sur cette plateforme Reporters du Monde retrouver un quiz fake news réalisé par GeoAdo. Donc voilà, c'est un outil important aussi qui a un bon complément, cette plateforme des Reporters du Monde, puisqu'elle c'est l'étape d'après, une fois qu'on s'est informé, qu'on a appris à s'informer, être producteur d'informations, ça va être une façon de comprendre ce que c'est qu'une information, parce qu'en la produisant, on va se dire, ben, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, comment elle a été sourcée, etc. Et tout ça est appris sur cette plateforme. Et donc, c'est un prolongement de rubrique de GeoAdo. Et peut-être avant de passer aux questions, on peut vous montrer aussi une petite vidéo. GeoAdo produit des vidéos qui sont un peu plus larges que l'éducation aux médias à l'information, qui s'appelle Géopolitique, mais qui peuvent être pour vous, si vous êtes enseignant, professeur documentaliste en collège, peuvent être aussi une ressource intéressante. Donc, je vais vous partager cette... Français sur les États-Unis et le mur de Donald Trump. Bon, écoute, vas-y, prends celle que tu veux, finalement, puisqu'on ne voit pas l'intitulé exact. Géopolitique. Les États-Unis vont-ils devenir la plus grande forteresse du monde? We will buy a great wall along the southern border. Nous construirons un grand mur le long de la frontière sud. Cette phrase a été répétée par Donald Trump tout au long de sa campagne présidentielle en 2016. Son objectif? Renforcer le mur qui sépare les États-Unis du Mexique. La frontière entre ces deux pays est immense, 3144 km. C'est à peu près l'équivalent de la distance entre Paris et Gaziantep, en Turquie. Cette frontière longe quatre États américains, la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Aujourd'hui, environ un tiers de cette frontière est déjà couvert par des barbelés, des barrières, des murs en métal ou en ciment. Elle est surveillée par les policiers de la Border Patrol et par des caméras. En janvier 2017, quelques semaines après son élection, Donald Trump a officiellement pris la décision d'étendre et de fortifier la barrière. Mais pourquoi construire ce mur entre les États-Unis et le Mexique? D'abord, pour limiter le trafic de drogue qui vient des pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Ensuite, pour empêcher les immigrants clandestins d'entrer illégalement aux États-Unis. Aujourd'hui, le pays compte environ 10,5 millions d'immigrants illégaux. Cela représente 3,2% de la population américaine. La majorité d'entre eux vient du Mexique, du Salvador, du Guatemala et du Honduras. Donald Trump et une partie des Américains accusent ces immigrants de prendre des emplois et de commettre de nombreux crimes. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump avait qualifié les immigrés mexicains de trafiquants de drogue et de violeurs.
Évidemment, on peut imaginer la colère des Mexicains suite à ces insultes. D'autant plus que Donald Trump a affirmé que ce serait le gouvernement mexicain qui devrait payer le renforcement du mur. Le président mexicain a bien sûr rejeté cette demande. Et c'est bien l'État américain qui devra payer une somme estimée entre 15 et 20 milliards d'euros. Des enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre l'immigration et la criminalité. Et les emplois que prennent ces immigrants illégaux sont pénibles et très mal payés. Les citoyens américains ne veulent pas en général de ces jobs. Mais Donald Trump n'est pas le premier président à jouer sur la peur de l'étranger. Voilà, tu comprends pourquoi Donald Trump veut construire son mur. Mais les États-Unis restent ouverts aux touristes du monde entier, comme toi, un jour peut-être. Des chiffres, des cartes, des statistiques. Géopolitique t'explique. Très bien. Alors voilà, aussi. Alors, merci beaucoup Jean-Luc et Frédéric pour cette présentation vraiment super intéressante. Je pense qu'on va, voilà, on va pouvoir commencer à prendre quelques questions si vous m'entendez. Vous m'entendez bien, c'est bon? Vous pouvez allumer votre micro après. Donc je pense qu'il y a des questions intéressantes qui ont été posées dans le chat, parce que je pense qu'on a une majorité de participants qui sont professeurs de français langue étrangère. Donc, je vais prendre la première qui est celle de Sabrina, qui pose la question. Alors, est-ce que vous envisagez de réaliser des fiches pédagogiques type TV5 Monde pour l'exploitation de ces articles en classe, ou est-ce que déjà des exploitations pédagogiques existent déjà ou non? Aujourd'hui, on n'a pas de fiches pédagogiques qui existent sur cette rubrique pour l'exploitation en classe. On en fait toutes les semaines pour un jour une actu sur le poster. Donc, on a des outils pédagogiques qui accompagnent les magazines du cycle 3, mais on n'en a pas pour le collège, puisqu'en général, c'est utilisé dans un cadre qui est pas forcément aussi formel, mais c'est plus un support qui est utilisé par les centres de documentation dans les collèges. Donc, on n'a pas aujourd'hui de fiches pédagogiques toutes prêtes pour ces revues. Ah, donc voilà, avis aux amateurs, hein, aux professeurs du coup qui seraient intéressés d'exploiter ces fiches, ces articles de GéoAdo, voilà, hein, créez vos propres fiches pédagogiques, vos propres exploitations et puis partagez-les sur IFProf, ça peut être une bonne idée. Par contre, pour être complet sur la réponse, on a des outils et des fiches pédagogiques d'éducation aux médias et à l'information sur la plateforme Reporters du Monde également. Et donc, un contenu provient de GéoAdo. Excellent. D'ailleurs, juste un petit rappel, vous étiez déjà intervenu et j'invite nos participants à aller sur la chaîne YouTube de l'Institut français du pôle langue française, parce que vous aviez déjà animé un webinaire au sujet d'un jour une actu, n'est-ce pas? On avait animé un webinaire sur la plateforme Reporters du Monde, effectivement. Puisque, comme je vous le disais, ça fait partie, l'éducation aux médias et à l'information fait partie des trois engagements forts de Milan, et donc on essaye d'en parler et de diffuser l'information, notamment à tous nos relais dans l'éducation nationale en France et à l'étranger pour atteindre les élèves, puisque les enfants, c'est un sujet qui les intéresse, mais souvent il y a besoin d'un accompagnement. Exactement. Ouais. Donc le replay est disponible aussi, hein, si vous voulez en apprendre plus sur cette plateforme et sur un jour une actu. Alors une autre question de Atina, intéressante aussi. Est-ce qu'il existe un abonnement numérique à GéoAdo? Il n'y a pas d'abonnement numérique. Il y a beaucoup de contenu disponible sur le site geoado.com, et quand on s'abonne au mensuel, on a une ce qu'on appelle la copie numérique, c'est-à-dire une version PDF du magazine qu'on peut retrouver sur son interface. Mais il n'y a pas l'abonnement seul en PDF. On ne propose pas ça. Ah, d'accord. Et donc, une fois abonné à la version papier et qu'on a accès à la version numérique, c'est disponible, enfin, c'est pour tablette, smartphone, etc. Oui, c'est un PDF, donc il est accessible sur tous les supports. D'accord, entendu. Ok. Et alors moi j'avais une question aussi de mon côté. En fait,
Est-ce que vous observez auprès du public adolescent un intérêt pour les supports papier ou vraiment maintenant avec les réseaux sociaux et tout ce qu'ils voient tous les jours en termes d'informations sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment difficile pour une publication telle que la vôtre d'exister ou comment vous en sortez? Donc moi je vais répondre, ensuite Jean-Luc aura peut-être aussi une réponse. Moi j'observe concrètement que parmi nos lecteurs, ils font les deux. Hein, ils ont, je pense qu'opposer chez un ado, opposer le cliché de l'ado complètement scotché sur ses écrans et complètement en état de divorce avec le papier, c'est trop caricatural, je dirais aujourd'hui. Les ados qui sont nos abonnés, mais aussi les ados qu'on va voir dans les classes, hein, parce que ça nous arrive régulièrement, sont des ados qui lisent. Ce sont des ados qui lisent aussi beaucoup de romans, et des romans parfois de plusieurs centaines de pages, qui peuvent aussi passer 2 heures sur leurs écrans de smartphone ou d'ordinateur, mais qui aussi lit du papier, et notamment Joado. On a la chance quand même d'avoir massivement parmi nos abonnés des enfants de familles plutôt soucieuses de vraiment booster l'éducation de leurs enfants en leur proposant le plus de moyens possible. Donc voilà, on a des enfants qui sont assez ouverts d'esprit et capables de surfer sans aucun problème sur différents supports. Ah, moi, je rejoins complètement Frédéric. Il n'y a pas de... Enfin, faut différencier vraiment contenant et contenu. On n'oppose pas le papier et le numérique ou les écrans. Ce qui change beaucoup, c'est la façon de traiter l'information, d'aborder. C'est pour ça qu'on a fait une nouvelle formule aussi sur Joado. La forme change beaucoup et change vite aujourd'hui. Donc le magazine, si vous l'ouvrez aujourd'hui, il n'a pas du tout les mêmes codes graphiques qu'il y a 5 ans. Par contre, l'intérêt du papier est toujours là. Je pense que c'est plutôt sur le fond, sur le contenu, les enfants s'y retrouvent. Par contre, il faut leur apporter des formes graphiques qui soient différentes pour qu'ils rentrent complètement dedans. D'accord. Et juste une toute petite dernière question. Du coup, vous avez beaucoup d'interactions de questions d'adolescents au quotidien sur l'actualité, leur interprétation des événements ou des doutes sur la véracité de certaines informations. Est-ce que la défiance journalistique est la même chez les adolescents que chez les adultes aujourd'hui ou... Non, les enfants sont beaucoup plus confiants et beaucoup plus généreux que les adultes. J'ai coutume de dire que j'ai travaillé dans la presse adulte et quand j'avais des contacts avec des lecteurs ou des auditeurs, c'était souvent pour me faire engueuler concrètement. Mmh. Aujourd'hui, avec des adolescents, on a beaucoup d'interactions. On reçoit entre 20 et 40 messages par jour. C'est beaucoup. Et ces messages sont beaucoup des messages d'adhésion, mais aussi des messages de participation. On lance beaucoup d'appels à participation et ces enfants sont fondamentalement généreux. Et cette générosité a... L'envers de cette médaille, c'est qu'ils adhèrent à peu près à tout et à n'importe quoi. Donc, c'est pour revenir à mon propos initial, une mission d'autant plus importante que d'essayer de les aider à décrypter parce que ils ont encore, à ce moment-là de leur existence, relativement peu de sens critique. Donc, il y a relativement peu de défiance, une adhésion assez facile. Après, encore une fois, il y a énormément de discussions avec leur père pour éprouver la validité de leurs opinions. « Ah, t'as vu ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ah ouais, mais moi, je sais pas, etc. etc. » Donc, il y a beaucoup de discussions entre eux et de temps en temps, ils reviennent vers nous, on va dire comme une sorte de je dirais pas vraiment de père, mais ils ont développé, comme avec d'autres magazines, hein, une sorte de lien affectif qui fait qu'ils nous demandent pas forcément une expertise, mais un apport au débat. Donc, ils sont entourés de beaucoup de fake news et de théories, mais ils n'ont pas encore, on va dire, la défiance qu'ont les adultes, défiance croissante et parfois légitime hein, envers les médias, comme par exemple l'indiquait ce fameux baromètre annuel Télérama,
où l'indice de confiance des citoyens baisse d'année en année. On n'en est pas du tout encore là, de mon point de vue, avec des collégiens. D'accord, ben merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà. Enfin, le chat, en tout cas, une fois qu'on aura laissé nos intervenants, je vais laisser le chat encore ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez. Donc, vraiment, encore une fois, merci beaucoup à Jean-Luc et à Frédéric de Milan Press et de GeoAdo d'avoir été avec nous et d'être intervenu pour ce 9e webinaire IF Prof. Juste avant de vous laisser, donc vous pourrez voir ce replay et le partager, enfin ce webinaire en replay pardon, et le partager avec vos contacts dès demain. Je voulais aussi vous remercier beaucoup parce que maintenant sur IF Prof, on a passé le cap des 30 000 collègues inscrits. Donc c'est vraiment un joli chiffre à célébrer. Et juste pour vous donner quelques éléments d'actualité, on va accueillir sur IF Prof 30 nouveaux pays d'ici le mois d'avril 2020. Donc on aura de nombreux nouveaux collègues présents sur la plateforme, donc de riches échanges en perspective. Et le prochain webinaire, donc le 10e webinaire que nous allons organiser ici depuis l'Institut français de Paris, aura lieu autour du mois de février. Et comme vous le savez peut-être déjà, l'année 2020 sera l'année de la bande dessinée. Donc on va consacrer notre prochain webinaire à une toute nouvelle application est consacrée à la bande dessinée avec des partenaires de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire.